Ok, pour le groupe, je te mets en ligne face au nord sur la crête. Ok, Anis, pour toi, secteur de surveillance, ça va du 330 au 0. Allez, ça pourrait vite rester comme des frais confits, on va prendre le rocher qui est devant nous. De toute façon, tu régleras ton GPS sur le J2. Jaune. Ok, en avant-marche, J2 debout, blanc, arme baissée. Cas de tir dans notre direction, première chose à faire, se poster. Deuxième chose à faire, riposter. Les gars du 600, on va plus situer, nous on est à l'extrême gauche du dispositif. Ah, tu vois la hauteur 620, à droite du point J2. User joined your channel. Oh, ok, On est en mission statique, donc on observe pour le moment. Les gars, on a cap 15 à un PAX, a priori 200 mètres signalé. On le voit pas. 600 en place dans la colonne d'écart gauche droite. PAX est en rapprochement, il se déplace dans les creux. Ouais, ça tire sur les avant. Bleu au contact. Jaune, ça suit. Allez, en avance, les gars. Il y a des alliés en contrebas. Mais... 300 halt. Ok, 600 sur la gauche du chef de groupe. Là, on avance avec 3 petits rochers devant nous. Là. Ok, on se place. Faites gaffe, il y a des ennemis 5 mètres devant nous. Alliés devant. Ok, les gars, on va partir 25 mètres sur l'est toujours. Allez, on va. Reçu entre vert et bleu, allez. Reçu. Ok, 300, tu passes à droite du rocher que t'as devant toi. Là. Jaune. Je laisse passer le jaune. Ok, il y a ce gros rocher là qui vous gêne. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu contournes le bleu par sa droite, franchis ta vague et t'essayes d'ouvrir l'angle. C'est sur la tête. Faites gaffe, les gars. C'est reçu pour le mec. Ok, 300 le long des rochers, ça en tout cas à droite des rochers. Si c'est à droite rocher, c'est suivi. On fait face au 4-15. On Si ça c'est reçu, si ça je suis à droite du gros rocher, je suis en train de me mettre en pied pour nous. Secteur de surveillance, c'est du nord à l'est en passant par le 40. Merci. Allez, impeccable. File 8 en AT4 rapidement. Fais gaffe, il y a vert à gauche. Attention les chevilles. Vert blessé par les mortiers à gauche. Qui est reçu. Façon, tu suis la crête comme ça, tu vas passer devant le rocher. Ok, on s'arrête au niveau du buisson 300. Sans t'essayes de monter légèrement sur la crête. Jaune, on est au-dessus de toi sur la crête. À ton nord et on surveille le tagline en direction du nord-ouest. Alors jamais, je sais pas ce que c'est, au cap 307. Minimi, tu glisses sur ce secteur-là, à mon ordre, tu ouvriras le feu. Bleu de jaune parler. Bleu, fais gaffe sur ton chemin, je soupçonne un PAX ennemi dans la menace. Ok, tu l'engages. Ok, Minimi, feu. Ok, PAX ennemi. Proche là. Ah, je tire à droite là. C'est proche à droite, c'est proche à l'est. Minimi, tu rebalances quelques rafales en direction de la dernière menace. Reçu. Et à l'issue des tirs, Minimi, on va pouvoir donc se déplacer en direction du nord en restant bon, sur la carte militaire. Reçu. Ok, on est à peu près au centre du dispositif. Contact des 45, c'est un ennemi. C'est allié. Ouais, c'est allié ça. Par contre, ça tirait plus à droite de ça. Je suis toute la crête, de façon du 280 au 315. Alors, moi un coup de rafale de Minimi sur le gros rocher au 307. Voilà, dans ce secteur là. Ça tire sur toi, je décroche mortier sur nous. Ok, recule. C'est le secteur où le mortier vient de tomber là-bas. Bien sur toi, bleu, fais gaffe. Ok, monsieur, on reste le recul. On recule, les gars. Reculez tant que vous n'êtes pas sur moi. On recule tant qu'on n'est pas sur Batman. Faites ta 50 billes au fond du vallon, tu recules comme nous. Vers encore subi des pertes mortier. Décidément, ils ont le paratonnerre. Okay, Magic, tu reviens, on va réavancer de là où on était. Ouais, c'est suivi, je transmets. Le Talveg, il est clair, Bat. Ok, 300, 600, on décroche. Ah, ils sont en face. Vous mettez les deux là sur les rochers, je reste en arrière de vous deux. On arrive. On est là. Écoutez, on va se mettre ici. Minimi, contact, 314. Minimi, tu m'enroses au fond de Talveg. Allez, Vank, je balance un T4, là où il y a les impacts de Minimi qui tombent. Ok, je recharge. Donc on a en gros 600 cartouches là, c'est ça? Affirmatif. Donc on est pas mal. Ok, gars, on est en mission statique pour nous, on vérifie les crêtes qui sont du blanc et jaune par les crêtes. Dans le creux qu'on a au 350, mais. Duel sur Apax 346, couché. C'est suivi. Tu veux la foucher comme relever, les blés, tu vois. Ouais. Il faut allier dans le temps de la guerre.
bouchon de lanceur de grenade. Oh, on la tient bien cette vallée là. On est bien là. Même carte que l'autre. C'est les éléments EOD, ils finissent de détruire tout ce qu'on a, trouvé, c'est ça tour, hein. 300, suivi de 600, on part sur le point 7 jaune. Pas tarder à passer sur les JVN là. 300, 600, on fait un bond de 150 mètres sur le sud. Ok, donc il y a une charge qui va exploser, il y a du matériel à détruire et ensuite on retourne sur la position. Les secteurs pour nous, sud-sud-est. C'est la bosse à T1. Ok, on peut équiper des JVN, on reste bien sur cette bosse. Ça s'est pas trop mal passé malgré le mortier. C'est le mortier qui nous a fait le plus de mal, qui nous a le plus fixé. C'est bon en mine ou pas? Ouais, j'ai pas fait le point, mais on va voir ça. Moi je suis à 60% mine par contre. En tous les cas, pour nous, on a bien bossé. C'était bien réactif, prudent et efficace. Reçu de jaune. Ok, les gars, debout, lent, on se met en place. Très loin. Ils sont passés. Ok, on y va. Brise en 360 tout à l'heure. Du coup, celui qui manque des bandes de mine mise, ça risque d'être dedans. Ok, on embarque. Ça, 300-600 comme tout à l'heure, on va être déposé sur la LZ de Covid. Ok, on débarque. Ok, Nice. On est parti en dessous de 300. Ok, 300-600 en déplacement sur Zulu 15. On a récupéré 3 bandes de mini. Là, c'est le bouquet final, les gars, donc faut pas relâcher la pression. Là, on est en. Pas suivi. Sur Zulu 15, sud-sud-est, reçu. Zulu 15, on prend le secteur sud-sud-est. Les mains en ligne, face au. Je remplace. Non, Delta en sur le sud-est. Ok, 300-600, on s'allonge, pour pas être repéré. Le combat va être rude et à découvert. Magic, tu vas pouvoir déjà renseigner ton GPS là sur le Juliette Unité. Donc Magic, il y aura bien un contournement. Allez, monsieur, on se réveille, on y va. Ok, donc 300-600, vous m'entendez là. Donc on se déplace sur notre point unité en suivant le tracé jaune. Ouais. Vous allez prendre en coin décalé gauche, Batman. Vas-y, hein. Attendez pas après moi pour faire des formations. Il y a un pack à gauche, 3 packs en tout, même azimut. 70, j'en ai pris une. Faut plus toucher. J'arrive. T'es pas blessé, Borg? Ouh, c'était beau ça. Ok, traité. Tiré. Grenade partie. Ouais, c'est en cours. Ah, ça l'a traité. Ok, Anis, tu te mets à la droite du chef de groupe. On va se déplacer sur Lima 2. À mon tap, faut qu'on dévie légèrement sur la gauche. Du coup, on va vachement se rapprocher de la statique. Reçu, on part plein sud. Ok, 300-600, on part dans le Talvec, on est à droite. Ouais, 54, pas possible pour nous. Oh, il y a un passage de roquette là. Ah, il est beau mieux là. Ok, 300, on passe devant, on part descendre. Au deuxième passage. Oh, si on est parti sans de base avant, pas de problème. Petite foulée. Mission pour nous les gars, à partir plein est. Ok, Batman, du 600, j'ai fait un bon voilà du blessé. Hein. Est-ce que je peux me donner azimut distance sur le bunker? Allez, top passe sur le bunker. N'hésite pas à me lâcher quelques rafales. Agressif. Plonge à droite, hein. Plonge à droite. Ok, Batman, bunker sud-est clair, sort. Ok, les gars, c'est ça. Et c'est à 200 mètres, je prends comme ça. Je prends un petit rocher. Ok, on se passe au nord. Il n'y a plus qu'à attendre, il y a les hélicoptères qui vont venir nous chercher. Dans... Ok, on embarquera dans le premier. Il est passé à 50 mètres des amis.